bagayo compliqué dans le pays d'Haïti. Depuis quelques jours, son seul phénomène qui a fait actualité, c'est l'insécurité. Sous toute lèvre, c'est l'insécurité. Et nous connaissons et différentes zones dans le pays. Hein, côté, depuis plusieurs jours, et c'est les gens qui ont mouru, c'est la population qui a déplacé. Et précisément dans la zone Mantissan, zone Badelma. Donc, son situation qui existait, et là, son état de fait lié. Mais en pile, moun tout a posé question pour qu'on ait qui le sap fini, puisque tout récemment, et bataillon continué entre gang Gravine avec gang Tibo à côté. Et dernier bilan fait état de 4 moun qui t'a mouru, qui t'a pris balle, soit pendant le passé ou du moins, et pendant un alentour de zone, 3e circonscription, ils ont pris balle, ils ont mouru. Et nous connaissons tout, il y a de déplacés qui sont dans le sportif, et quand vous l'avez jusqu'à présent, vous n'avez pas qu'à regagner demeure. Donc, situation li difficile, li compliqué dans le pays. Hein. Et assemblé autorité pour qu'on ait une formule, pour qu'on ait une méthode pour utiliser pour résoudre le problème insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. L'autre point d'actualité, il y a RSPP, qui est le ministère de Santé publique et population, qui a commencé à lancer une campagne de sensibilisation sur les prochaines vagues de vaccination qui sont faites dans le pays. Hein. Nous connaissons plusieurs milliers de doses qui sont rentrées dans le pays d'Haïti. Donc, le ministère là, lui-même, le ministère de Santé publique, qui a commencé à préparer pour sensibiliser la population hein, sur le vaccin qui vient pour entrer contre le COVID-19. Là. Et bien, dans ça, il y a pour l'énergie. L'électricité d'Haïti n'est pas collée à General Electric. Donc, on est qui, normalement, a construit une centrale 60 MW dans la zone Carrefour, qui est la troisième centrale qui gagne dans un seul espace. Donc, ils ont lancé un test là qui peut être non et Black Start. Donc, c'est un test qui normalement visait provoquer un blackout dans la turbine de centrale 3. Donc, d'après l'autorité EDH ou du moins General Electric, on fait qu'on est test indispensable pour centrale avant de remettre l'État haïtien clé centrale tout neuf ça. Donc c'est point ça nous allons développer pour une édition information ça. Restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment. Gros salutations à toutes super branchés nous. Jeudi on nous entrer la KO pour nous porter une autre vidéo, une autre édition information pour vous. Donc on est c'est là ou capable informer au côté où j'ai une bonne genre information. Et donc nous disons merci parce que vous branchez et soit à peine connecté Nabzou bienvenue. Donc je nous connais déjà, nous toujours faisons le devoir pour nous porter dans chaque vidéo soit un proverbe pour ou bien un conseil du jour. Donc conseil nous pour aujourd'hui hein, c'est pas qu'il y a aucune limite dans action ou qu'à accomplir. Seule limite là c'est ou même avec pensée. Donc j'en conseille là dit là ou pas qu'il y a limite vraiment. Donc seule limite là c'est ou même c'est avec l'esprit ou parce que tout ça qu'a dessiné dans la vie, c'est à partir de penser. Donc, restez positif dans penser et que après toute bagaille aller bien pour. Donc, j'en ai annoncé au ministère de Santé publique et population commencer à sensibiliser la population hein, dans sa gain pour la vaccination qui gain pour faire dans pays hein, contre coronavirus ou du moins COVID-19. Jean Yorel là nous connaît depuis un certain temps coronavirus là parce que ça nous fait gros ravages, gros dégâts dans le pays d'Haïti, côté grand pile personnalité. Donc, on est malheureusement qui mourit face à coronavirus là. Et il y a les autres tout et qui et l'hôpital y a pris soin car aux nécessités. Donc, son situation qui est vraiment compliquée et sur le plan sanitaire dans le pays. Hein, et que nous connaissons à travers le monde dans des campagnes de vaccination qui a fait. Et surtout, pays riche, il y a de grandes mobilisations qui fait pour vacciner toute population là. Et il y a des pays tout. Qui est en franchi une étape très importante dans le travail à faire pour vacciner la population. Donc, Haïti lui-même est censé sur route pour emboîter le pas pour vacciner la population. Hein. Et c'est ça qu'il faut après OPS, OMS, et qui c'est l'Organisation Panaméricaine de Santé et puis l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, deux entités, ça, ils ont déjà mis à disposition le pays d'Haïti plusieurs centaines, milliers de doses. Vaccin, mais qui peut rentrer dans le pays, mais probablement dans les jours à venir, il y a disponible et que la population a une possibilité pour commencer à vacciner contre le virus et qui a fait ravage dans le monde, je vous connais, qui c'est le coronavirus. Donc, le ministère de la Santé publique lui-même, il a déjà préparé, il a commencé à mettre les bouchées doubles pour que il a commencé à vacciner la population. Parce que connaît tout la population a une sorte de réticence là, par rapport à la campagne de vaccination qu'a fait là, parce que on est des fois haïtien très sceptique et en pile fois tout c'est de bonne guerre parce que et vu à la situation présentée dans le monde de velléité qui t'a gagné et de la part de certains organismes pour t'a réduit population mondiale là. Donc là c'est et de bon ton pour que t'a une réticence. Donc ministère de Santé publique dans ce sens ça il commencé à lancer une campagne de sensibilisation pour montrer
population, l'importance qu'il gagne pour vacciner contre COVID-19 là, parce que son épidémie planétaire, son épidémie mondiale, et scientifiques eux-mêmes qui ont pile d'efforts au fait dans un temps record pour mettre le vaccin disponible sur le marché et que la population mondiale est capable d'utiliser pour prévenir et pour protéger tête contre tout cas de contamination liée avec coronavirus. Et nous connaissons tous plusieurs vaccins qui sont censés déjà prêts pour administrer et population mondiale là. Et parmi les vaccins SAO, nous avons AstraZeneca, c'est un vaccin britannique, c'est anglais qui mettait vaccin ça et c'est lui-même qui plus populaire tout à travers le monde. Et c'est lui-même tout OPS OMS a mis à disposition pays d'Haïti pour vacciner et le plus grand nombre de populations. Nous connaissons la population en tout, il était réticent par rapport avec démarche qui c'est autorité dans OPS ou du moins dans OMS et même autorité haïtienne a fait pour vacciner un grand nombre dans la population. Donc même très réticent qui t'a dit qu'ils n'ont pas vraiment saisi ou qu'ils n'ont pas vraiment compris la démarche MSPP. Donc, ils ont exprimé des doutes. Donc, c'est le bon temps pour le ministère de la Santé publique lui-même lancer une campagne de sensibilisation et de population sous le coronavirus là, et le vaccin pour l'administrer dans qui et ça l'a utile, qui bien fait le capoter, ou du moins ce qui ça le cas prévenir tout et dans le cadre de une contamination qui lié à COVID-19. Et bien, l'autre point d'actualité, nous connaissons depuis un certain temps, il y a un général électrique qui est présent souterrain. General Electric, il a construit une centrale 60 MW, une centrale hybride qui a une capacité 60 MW. C'est le gouvernement haïtien qui a initié le projet. Donc, c'est General Electric qui a remporté l'appel de feu. C'est eux-mêmes qui a construit cette centrale. Donc, son centrale qui a dû censé presque fini. D'ailleurs, l'inauguration a été prévue pour 5 juin qui se passait là. Et malheureusement, problème qui lié avec le conflit entre gangs et empêcher la centrale là inaugurer, mais ça pas empêcher tout autorité dans EDHO annoncé de tests y a fait, OK, parce que tests yo c'est important pour le capable examiner ou du moins ce cas évaluer puissance ou du moins rendement et centrale là. Donc yo va faire un test qui porte nom black start, donc son test qui visait créer un blackout général dans le système là, dans l'idée pour évaluer performance centrale. Donc dans ce sens ça, l'électricité d'Haïti et mandé population pour exprimer compréhension face à travail ça va réaliser et puis pour excuser à tout éventuel inconvénient travail ça va être occasionné dans le pays. Donc le point d'actualité, nous connaissons depuis un certain temps une situation de tension, une situation d'insécurité qui a prégné la capitale haïtienne, spécialement dans zone 3e circonscription, une situation qui la cause en pile de victimes, et soit il y a des gens qui mourent, soit il y a des cailles qui brûlent, soit il y a des gens qui déplacent. Et nous-mêmes, tout qui c'est des citoyens qui vivent dans le pays, qui sont conscients de la réalité du pays et qui ont information de tout ce qui a fait dans le pays, nous connaissons une situation qui existe et t'assembler, c'est pour une situation qui a résoudre aujourd'hui. Puisque jusqu'à hier, 22 juin 2021, Koudzam a continué à chanter dans une zone mentissant, bilan de 4 personnes qui ont mouru. Et donc, situation compliquée et déplacée eux-mêmes. On a parlé de déplacer les gens qui étaient habités dans une zone Tibois, Gravine, Mortissant, et qui viennent tourner dans une zone de non-droit, une zone difficile, qui viennent tourner dans une jungle. Donc, les gens ont été obligés de déplacer les réfugiés dans un centre sportif, quand voulant. Donc, depuis lors, c'est là où ils sont. Et nous connaissons les conditions à vivre, nous connaissons comment la situation est pour eux, nous connaissons tout. Il y a des gens qui ont différentes catégories d'âge qui trouvent dans un seul espace. On dit dans le même espace, on a un petit monde, on a un bébé, on a un adolescent, on a un adulte, on a tout de vieillard qui dans le centre sportif Carrefour. Côté, c'est l'État avec des ONG, ou du moins des entités et dans la société civile qui a plongé la même barrière parce que pas qu'à tourner dans la zone côté OTE et éventuellement tout, pas qu'à aller dans l'activité pour qu'à entrer. Le monde pour qu'à fonctionner, nous connaissons haïtiens, on dit population. En grande partie, c'est au jour le jour, il fonctionnait. Donc, population qui trouvait dans la zone mentissant en grande difficulté. Et semble, ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, problème à résoudre, puisque l'autorité, eux-mêmes, est censée paraître impuissante par rapport avec violence, bandits, sans foi ni loi, à fait dans le pays, à fait sous population. Donc, son situation qui est très inquiétante et pour tout le monde, même à l'échelle internationale, et il a posé des questions pour qu'on ait. Qui le a gagné fin, qui le a gagné bout dans l'action bandit a mené dans le pays.
Nous connaissons le président de la République, Jovenel Moïse, qui a effectué une visite diplomatique dans le pays, la Turquie, et que nous avons eu la chance de discuter avec le président turc. Donc, dans le cadre de la discussion, l'insécurité qui a brassé le pays d'Haïti, était dans cette discussion, était dans le temps et débat. Donc, le président Jovenel Moïse a annoncé une série de mesures qui prennent dans le niveau de l'État pour mater l'action bandio, mais tout les faire de annonce côté l'État Chita discuté avec le responsable usine armement turc pour ta fournir matériel nécessaire à la police et l'armée pour rétablir la paix, la sécurité dans le pays. La situation d'insécurité qui est là, l'armée et tout le monde dans le pays, même à l'échelle internationale, donc son seul parole qui soulève Mounio, insécurité dans le pays. Question kidnapping qui s'en s'est retourné pour la plus belle et zone matissant côté gang ap toke konyo et donc là c'est refrain ça qui soulève presque tout le monde dans le pays et quelque part pour yo concerné même si c'est pas directement mais indirectement yo concerné parce que imaginons un monde qui habitait dans zone matissant donc lui même ils sont victimes directes de zak violence ça yo qui gagnait dans la troisième circonscription. Mais c'est comme ça tout. On a des gens qui pas habité la troisième circonscription, mais ils ont senti concernés face à un phénomène d'insécurité. Parce que là, il y a des nouvelles, il y a des gens qui s'est passé. Il y a des victimes qui sont innocents qui ont mouru, il y a des maisons qui ont brûlé. Donc là, c'est une situation qui a interpellé conscience tout le monde dans le pays parce que nous tous sommes concernés. Donc vous imaginez un pays où là-dedans, nous pas qu'à vivre. Donc là, quand même, quelque part, on a senti ou concerné de situation de sécurité. Donc situation ça tout pour résoudre, ça m'a demandé en pile engagement, en pile énergie, en pile stratégie donc pour arriver et atteindre et bandio pour mettre yo hors d'état de nuire. Parce que nous connaissons bandio c'est pour un petit bout de bac dans mais yo, c'est pour un petit bout de fait. Donc c'est zam qui dans mais yo et pour l'état lui-même, lui répliquer pour l'état lui-même, lui agir pour ba une réponse appropriée pour l'état immatériel là même. Donc dans cadre visite président Jovenel Moïse te fait dans pays la Turquie. Yon nan point yote discuté ces questions sécurité dans le pays. Mais nous connaissons tout, et avec les Nations Unies qui là, et avec les États-Unis qui tout près nous, et yon même yote déjà mette yon embargo sur le pays d'Haïti, pour que yon série de matériel Haïti pas de ka posséder, yon série de armes pour Haïti pas de ka gagner. Donc là, le président Jovenel Moïse l'ite et plutôt et reni dans le pays la Turquie pour discuter questions sécurité avec le président turc. Et donc, nan annonce président fait, il a discuté avec un responsable de usine armement dans le pays de la Turquie qui vous a armé lourdement la police et l'armée question pour avoir une réponse appropriée à l'action bandio dans le pays d'Haïti. Donc la réalité nous gagne aujourd'hui paraît très inquiétante non seulement pour l'État mais pour le pays en général parce que l'État lui-même c'est vrai qu'il a gagné de velléité, il a gagné de volonté pour l'État maté action mondio pour ta mettre frein action mondio d'ailleurs président de la république là Jovenel Moïse te dit il parle dans ses collés avec bandits donc bandits c'est deux routes qui gagne soit route cimetière ou bien route pour remettre zam donc là lui même quelque part il montrer gain de action l'état t'es qu'à engager mais quelque part bon blocage et blocage non c'est matériel l'état là donc président il fait quoi dans échange de te gain avec président turc là donc normalement t'as deux gains de matériel qui arrivent dans le pays dans un temps qui partent. Bon, par contre, qui l'a privé directement parce que pas gain de note officielle qui sorti qui vous dit mais qui le matériel ça a entré dans le pays et mais qui le tout y a commencé effectif parce que matériel là gain de rentrer mon poko gain capacité ou du moins poko gain ressources humaines nécessaires pour manœuvrer matériel et équipement ça donc ça prend un temps et pour gain de monde qui et formé en la matière et pour capable utiliser. Donc c'est toute une opération qui demande temps et pendant ce temps moun ti bois continue à mourir, moun gravine continue à mourir, moun matissant et même des monde qui pas habité dans zone là qui passé en dit de riverain continuer à victime, moun continuer et abriter au dans centre sportif Carrefour là. Donc l'état jusqu'à présent pourquoi bailler? Yo réponse et pourquoi ka bailler réponse tantôt et pourquoi ka dit qui le a gagné bout parce que phénomène ça sont monde lié pour pays nous pas en Somalie nous pas au Yémen nous pas en Palestine donc ouais pays licencié séparé en deux morceaux jeune zone sud pays séparé à capitale et puis l'espire donc là li important pour autorité aller vite parce que
là il y a une urgence dans la demeure. Et nous même population en tout ou même cap garder nous cap tendre là situation ça les supposé révolter conscience ou tout parce que c'est vrai jodiant nous gagne petit bois nous gagne ravine qui a fait la loi qui a coupé arraché mais si nous remontons dans le temps n'a pas été toujours existé était toujours là et était toujours gagne matériel dans mais était toujours gagne zame dans mais sauf que m'pas connait si c'est l'état ou bien si c'est de entité dans secteur privé qui était kembé dans tout côté hein qui fait pas de sortie. Mais aujourd'hui, on décide de sortir et on met tout corps dehors. Donc là, c'est une nécessité pour nous commencer à redéfinir la stratégie à utiliser dans le pays. Visite président Jovenel Moïse dans le pays, la Turquie, on dit quelque part, les prometteuses. Parce que, même si c'est vrai, le président entre à 2000 vides, mais ça qui a venu derrière, on dit qu'il y a des bagailles. Et bandi autour, nous pensons que nous avons pu obliger à changer de métier, Jean président Mandela. Parce que normalement, on peut camper devant la police parce que la police n'a pas de matériel pour riposter. Mais si vous avez un policier qui a une capacité, aussitôt que la police a un matériel nécessaire pour réagir face à l'action bandit, c'est une question de quelques jours. Parce que bandit même n'a pas de formation appropriée pour gérer l'action. Si vous avez un peu de temps, vous avez appris à tirer. Parce que pour les gens pour pas tuer tête avec, il faut apprendre à utiliser. Donc, il y a un tirer, il y a un tirer sur un monde qui devant. Mais en ce qui a trait avec stratégie, ou du moins avec performance, la garantie bandit pas qu'à camper en face de la police. Et si la police a même des matériels pour riposter, pour réagir, donc là où il y a un ouais, comment la situation à pied. Et c'est le bon temps pour gagner des initiatives qui prend soit pour équiper l'armée, pour équiper la police, et pour craser foyer bandit ça dans le pays. Parce que là, si le pays d'Haïti va prendre une décision pour résoudre le problème, phénomène insécurité ça qui est dans le pays, bon garantie, et nous capables d'attendre nous au pire. Parce que nèg qui dans zone défavorisée, on dit dans zone petit bois grave, une cité soleil et entre autres, yo même c'est chaque jour gagne de monde, yo gagne de individus, yo gagne de jeunes qui pour rejoindre yo dans action à poser. Et jeunes ça en plus fois pas comprendre ça faire. Donc yo juste entrer tête nos bagages pas connait et le plus souvent ça au baio en premier son zame au baio et yo même là les zame ça dans mais qui ça gagne tendance faire avec. Et surtout de pas gagner dans mais comme activité pour qu'a fonctionner pour qu'a vivre et bon zam dans donc le plus souvent leur zam ça dans mais yo toujours gagne tendance à faire des actes banditis avec soit à fouiller monde dans la rue vous comprenez à casser et magasin à casser maquette et entrer dans banque donc c'est ça on pour monde gagne et à première vue dans l'esprit parce que li wè li zam dans mais li senti li tout puissant sans que par connait qui conséquence zam ça porter qu'a gagner sous. Je vais dire que nous là pour tout le temps, pas que il y a des gens qui viennent faire matière sale sous terre, pas des gens qui viennent faire gauche. Donc, comment tout le monde vient là, ou vient vivre, on l'a pour mourir. Mais il faut qu'on ait tout, il y a des gens qui ont offert une tête, qui ont une mort prématurée par rapport avec l'action à poser, par rapport avec l'orientation de la vie. Parce qu'on imagine nous, il y a des gens qui sont dans une zone mortissante, je dis là, qui sont considérés comme un bandit. On dit quelques années avant de devenir un bandit, c'est l'autre choix qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait choix avec des armes, il n'a pas fait choix entre dans la gang, mais plutôt il a fait choix soit aller à l'école, apprendre un métier. Ok, je comprends, il y a des gens qui disent et valait les gens qui apprennent un métier dans le pays, et pas de travail. Et donc, je comprends, il y a des gens qui ont exprimé préoccupation, ou du moins qui ont exprimé opinion dans ce sens. Mais ce n'est pas un cas qui est général. Pendant qu'on dit, il y a des gens qui à l'école qui pas travaille qui pas fonctionner. OK, c'est vrai. Mais qui quantité moun tout à l'école qui normalement non position bien occupé en fonction occupé en poste que s'il pas à l'école, il pas fréquenter l'école, il pas jamais qu'à occuper pour ça. Comment est-ce que nous imaginer combien moun comme ça? Donc là on dit son bagage qui est plus ou moins balancé, qui est plus ou moins équilibré. Parce que la vie lui-même, on ka connaît et quelque part, il y a des gens qui croient dans le destin. Mais le destin au monde, le plus souvent, c'est eux-mêmes qui tracent. Et pour tracer, c'est en fonction du choix qu'on fait dans la vie. C'est le choix de vie qui, par le dit demain, qui est soit pied. On dit moi-même qui devant là votre serviteur. Je dis là, je suis chita, je suis en caméra, je parle à vous, je informe vous. Et tout, je vais essayer de sensibiliser vous sur la situation qui est dans le pays et sur ce que tu as de fait. On dit si je n'ai pas de route, je n'ai pas de si pas de direction, je n'ai. Est-ce que je dis là, je suis chita, je parle à vous là, et bon j'ai information dans bon timbre bien c'est me capable non pas capable ça fait pas capable parce que non seulement pas capable compétence pour lui
pas bien formation pour lui et probablement orientation d'avoir prend il te doit c'est vraiment il doit pas tomber dans mauvaise action et même je conseille le monde qui ses choix ça en fait mais c'est pas l'âme d'appier donc peut-être destin il te doit différent mais son choix de faire un jour me dit bon aller dans communication et que automatiquement dans communication donc c'est domaine d'intervention c'est domaine et m'a intervenu lié et ça il va là pour tout le monde pour tout le individu. Donc choix la faire dans vie nous est extrêmement important et c'est une responsabilité et pas un retour pour capable canaliser timoun yo sur route de plan. C'est travail l'école tout. Bien que l'école en Haïti n'y pas gagné de programme qui pour orienter et élève yo ou bien écolier yo sur le plan professionnel, pas vraiment gagné l'école dans le pays qui fait. Bien que à l'étranger majorité l'école yo toujours des programmes ça remettre depuis à très bas âge, je commence à suivre une série de élèves pour ouais dans qui domaine yo apte et que leur ça c'est fini étudio pour ces domaines ça yo à étudier et ça veut dire pour une activité y a fait que yo remé qui passionné yo OK donc qui capable permettre yo réussir parce que normalement sous monde on font bagarre par email la difficile pour faire succès là-dedans parce que succès c'est pour bagarre au monde jeune c'est pour bagarre on ramasser nous tout comme ça succès c'est travail pour travail dur pour faire succès donc sous nos domaines ou par email là nous clair avoir effort pour ta déployer pour réussir li, et pas même gens avec si on monde passionné de ça la faire donc c'est même gens tout mais qui gien zam nan mais yo en pile là dedans c'est pas choix ça ou ta fait mais probablement c'est fréquentation et c'est orientation et tout ou te prend sans que pas même rendre compte et c'est réalité pays parce que nous gon pays tout faut nous dire nous gon pays en pile fois qui pas encourager ça relé l'apprentissage qui pas encourager compétence qui pas encourager moun faire effort combien moun nan pays là ou connaît qui gagne pile potentialité qui fait pile étude mais là regardez ou dans qui situation a fonctionné donc son bagay qui extrêmement grave dans pays hein? Et ça li révélé de incompétence moun kap dirije nou parce que pas jamais gagne une série de plan pas jamais une série de programme yo mette pour accompagner et jeunesse pour accompagner et population pour au moins être capable de gagner 20 millions dans l'année qui vient. Donc là, nous faisons une description de la situation sécuritaire et qui gagne dans le pays. En côté nous, et ces bandits qui font la loi, côté l'État, tout, et quelque part, il est absent, ou du moins, il n'est pas capable d'avoir une réponse appropriée à l'action bandits à mener dans la République. Donc nous avons tout le long, nous avons campé là, mais pas oublier, nous toujours une petite question pour et question nous. Jodi an, c'est qui est-ce qui est capable de bailler dans qui année Haïti a occupé la République dominicaine et combien de temps Haïti a fait à occuper pays voisin. Nous connaissons qui le bon frontier. Donc, c'est là la campagne. N'abdou, merci parce que vous avez pris le temps pour t'étendre nous. N'abdou, à la prochaine pour une autre vidéo. Nous parlons de Wilson Octavius et la plateforme sous lien, c'est tout Haïtien connecté qui est possible. TAC 509. Donc, merci parce que vous avez pris le temps de nous le voir. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.